Hey tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve pour une petite vidéo sur Assassin's Creed Odyssey dans laquelle je vais vous expliquer comment débloquer le chapeau de paille pour Alexios ou Cassandra. Mais juste avant de commencer, je voulais lancer une petite annonce concernant une future série de vidéos. En fait, je recherche les meilleurs builds qui existent en jeu. Vous savez, on peut se spécialiser dans trois branches, chasseur, guerrier et assassin. Et en fait, je cherche le meilleur de chaque. Je cherche le build qui fait le plus de dégâts dans chacune de ces branches. Du coup, n'hésitez pas à me donner en commentaire les statistiques de votre personnage. Vous les trouverez ici dans l'onglet inventaire. Il y a moyen d'être très puissant dans chacune des branches. Ça dépend des armes que vous avez choisies, de l'armure, des gravures, des niveaux de maîtrise, etc. Par exemple, pour la branche assassin, j'ai vu quelqu'un qui faisait plus de 300 000 de dégâts. Moi, je suis qu'à 200 000. Donc voilà, j'aimerais vraiment trouver les builds les plus puissants de chacune de ces branches. Et si vous faites partie de ceux qui ont les plus grosses statistiques, eh bien je vous contacterai pour avoir un détail de votre build et je les partagerai sur la chaîne afin que tous les abonnés puissent recréer ce build dans leur partie. Parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on n'est pas très à l'aise avec l'aspect RPG, on n'a pas forcément envie de chercher des heures et des heures à optimiser nos dégâts. Du coup, je pense que ce serait cool de partager ça avec la communauté. Et n'hésitez pas aussi à proposer des mix de builds, genre un qui fait beaucoup de dégâts en assassin mais aussi en guerrier. Parce qu'un assassin c'est bien, mais quand on se fait repérer et qu'on commence à se taper, et ben on fait plus de dégâts. Et je précise que ceux qui seront sélectionnés et qui auront leur build présenté sur la chaîne auront un petit cadeau, un petit bon de 10€ à valoir sur le site Instant Gaming. C'est pas grand chose certes, mais je pense que c'est pas mal de choper 10 balles comme ça juste en partageant son build. Hein. Du coup n'hésitez pas à optimiser tout ça sur votre partie, essayez d'avoir les meilleures stats possibles et surveillez un maximum les commentaires afin de voir si telle personne a fait mieux que vous. Comme ça, vous pourrez retourner en jeu et essayer d'optimiser encore plus votre build, etc. Clairement, hein, je vous le dis, je veux le build ultime sur chaque branche. Et donc évidemment, il vous faudra être au niveau 70 pour participer. Sinon, ça va être le bordel si je prends les statistiques de quelqu'un qui est niveau 50 et d'autres qui sont niveau 56, voilà. Faut vraiment que tout le monde soit au même niveau, c'est-à-dire niveau 70. Bref, revenons au sujet de la vidéo, le chapeau de paille. Eh bien ça va aller vite puisque le chapeau de paille est tout simplement disponible chez n'importe quel forgeron du jeu. Enfin attention, c'est pas vraiment chez n'importe quel forgeron. En fait il se trouve aléatoirement dans un seul forgeron du jeu. Par exemple certains l'ont eu au forgeron d'Athènes, d'autres l'ont eu au forgeron de Sparte, d'autres à PFK, etc. En fait il faut vraiment que vous fassiez tous les forgerons et priez pour tomber dessus. Donc rien de bien compliqué, je vous cache pas que j'ai été un petit peu déçu de savoir qu'il se débloquait comme ça. On a tous attendu pendant des semaines pour savoir comment faire, et bien finalement on avait juste à aller l'acheter chez le forgeron. D'ailleurs il y a un autre accessoire que vous avez peut-être loupé, et que j'ai trouvé en faisant tous les forgerons du jeu, c'est le cache-œil de pirate. On peut lui aussi l'acheter chez un forgeron, donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le prendre car je crois pas qu'on puisse le débloquer autrement. Bref du coup je vous dis bonne chance pour trouver le bon forgeron. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la ville dans laquelle vous l'avez obtenu. Peut-être que si une ville ressort plusieurs fois, ça voudra dire que le taux d'apparition est plus important chez un forgeron, je sais pas. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo avec le meilleur build, tout ça, tout ça. Je compte sur vous. À très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Tchuss.